Chers frères et sœurs, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous allons continuer aujourd'hui notre parcours, l'écoute de la parole de Dieu en chanson. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur la fécondité. En Afrique et ailleurs, par exemple ici au Mexique, avoir d'enfants, c'est une chose très importante. Avoir d'enfants et avoir beaucoup d'enfants est une bénédiction. Une fois, quelqu'un m'a dit, donc, en choisissant d'être missionnaire, tu as choisi volontairement, tu as pris l'option de ne jamais avoir d'enfant. Tu vas mourir sans avoir d'enfant. Tu acceptes que le nom de ton père disparaisse. Comme on dirait au Cameroun, tu as accepté que le jour de ton enterrement, on mette un caillou dans ton cercueil parce que tu n'as pas eu d'enfant. Et je lui ai dit, non, je n'ai pas fait l'option de ne pas avoir d'enfant. J'ai fait l'option de ne pas avoir 4, 5, 6, 7 ou 8. J'ai fait l'option d'avoir beaucoup d'enfants, mais alors beaucoup, comme un bon Africain. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle à la fécondité. Notre vie doit être féconde. Pas seulement au niveau biologique, mais les enfants de Dieu, les disciples du Christ, sont appelés à porter des fruits abondants et des fruits qui demeurent. Donc, le Seigneur nous appelle à ouvrir nos cœurs. Parce qu'il veut nous donner une grande descendance. Nous sommes appelés à engendrer des enfants à la vie de Dieu. Lorsque je marche un peu partout, mon père, bonjour, mon père, bonsoir. Bonne nuit, mon père. Je vous connais où? Mon père, un jour, vous êtes venu dans ma paroisse et vous m'avez prêché la parole de Dieu. À partir de ce jour-là, je commençais à revivre. Et c'est ça, nous sommes appelés à engendrer beaucoup d'enfants à la vie de Dieu à travers l'annonce de sa parole. Et aujourd'hui donc, je nous invite à méditer avec moi cette réalité. Et le Seigneur nous dit, élargis l'espace de ta tente, déploie sans réserve ta maison, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à gauche et à droite, tu vas éclater. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans réserve ta maison. Renforce tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans réserve ta maison. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. Pas peur de la différence, je t'ai donné un grand cœur, capable d'aimer sans frontières et d'être un foyer ouvert à tous. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans réserve ta maison. Allonge tes cordages,
force tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. Tu deviendras ma maison, véritable tente de rencontre, grande maison de prière où tous les hommes me connaîtront. Élargis l'espace de ta table, déploie sans réserve ta maison. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. Ton Créateur est ton époux, ta race va peupler les nations. Mon alliance de paix ne changera pas, les enfants seront mes disciples. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans réserve ta maison. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. Élargis l'espace de ta table, déploie sans réserve ta maison. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. Merci.